Bonjour à tous mes amis Panda et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce 9e normalement de Watch Dogs pour une nouvelle aventure. On va continuer notre petit plaisir personnel sur ce jeu, on s'amuse vraiment bien. Donc on va regarder la map, facilement, nous avons la carte et le but est de nous rendre à la mission principale. Ici, donc dans le dernier épisode on avait fait une petite destruction de gens, c'était bien sympathique. Là on va aller récupérer une voiture par exemple sur le trottoir d'en face. Ouais, sur le trottoir d'en face ça me plaît bien. On va traverser sans se faire shooter. Hop. Voilà, bon je voulais faire un saut classe mais j'ai pas réussi du tout. C'était un échec oufissime. On va prendre cette voiture, tiens. Hop. On va couper la musique, c'est trop stressant cette musique. Hop, on doit aller en face, facile. Hop, putain, c'est pas productible. Hop, putain. Alors j'espère que le dernier épisode vous a plu. La reprise a plu à certains d'entre vous. Vraiment c'était ultra sympa. Et là on va continuer du coup la mission principale, puisque c'est vraiment le but quoi. C'est... Oui bordel de merde, qu'est-ce qu'il y a? Hein? T'es pas content? Bah moi non plus, ok. Allez, des bâtons dans les roues. Ok, je suis à la Willis Tower. On a quoi sur Elena? D'après ses mises à jour de statut, elle aime bien les selfies. Là, elle fait une duck face. Là, elle est avec une copine. Ah, elle aime ses chats aussi. Qu'est-ce que tu lui veux, cette pauvre fille? À elle, rien. C'est son oncle que je recherche. Et je pense qu'elle peut me mener jusqu'à lui. Ok, donc là, on doit trouver quelqu'un, bien évidemment. Quelqu'un qui, est vraiment YOLO. J'ai quelque chose. Elle a publié une photo d'elle ce matin. Sa tenue du jour, cheveux bruns, lunettes et un sac à dos vert. Merci les réseaux sociaux. Ah, c'est un bon début. Je continue à chercher. Ok, donc il faut aller tout là-bas. Ok, donc c'est pas dans cette zone-là. On va voir. Alors, sac vert. Sac vert, on a dit. Putain, c'est pas possible. Ok, ça m'a l'air bien mal famé par ici quand même, malgré tout, hein. La pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai son dossier médical sous les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Elle Qu'est-ce a que t'as l'an dernier. Ça expliquerait ses visites chez le psy. Pourquoi tu cherches tout ça? Ça m'intéresse pas de la connaître. Je veux juste la retrouver. Hé, moi je lance la recherche et les infos arrivent toutes seules. Je suis désolée, je décide pas du contenu. Attends. Ah, super. Elle vient de modifier son statut. Elle est dans Connelly Square. C'est une grande structure en verre. Tu devrais pas être loin. Je la vois. Beau boulot, Clara. Tu peux supprimer les fichiers. Aiden, j'ai des faits. On veut que les informations soient accessibles à tous. Clara. T'inquiète. On s'intéresse pas aux jeunes filles innocentes. Tu la vois? Parce que moi, pas, hein. Je sais pas quand. Ah, là. Ok, Elena. C'est parti. Hop, un petit piratage, au calme. Allô? Mademoiselle Tucci, je suis le docteur Hayat du Chicago Hospital. Nous avons les résultats sanguins de votre oncle Angelo, mais on n'a que votre numéro. Vous savez où on peut le joindre? C'est urgent. Ah, je suis désolé, j'ai pas parlé à mon oncle depuis des années. D'accord, merci beaucoup. Eh merde! Attention. Ah, oui, elle va appeler quelqu'un. Tonton. Tu veux encore des places de concert? Non, écoute, j'ai reçu un coup de fil bizarre. Je crois que les flics te recherchent. Quoi? Merde, ton appel vient sûrement de les mettre sur ma trace. Raccroche tout de suite. Bingo. Mon cher ami Tucci, où est-ce que t'es? Ça va être drôle. Te voilà. Bien localisé quand même, hein. Angelo Tucci. C'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Quelqu'un l'a payé pour obtenir l'identité du justicier. Quelqu'un qui veut mon nom. Ouh. Il l'a pas encore. Ouh, eh bien, ça va faire mal. Alors, non. Je commence à être légèrement nerveux, là. Tu l'as retrouvé? Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli. Ok. Allez, là, on s'en fout. On doit y aller malheureusement. On doit se dépêcher parce qu'il doit être en mouvement en plus, donc le but c'est vraiment de
le choper. Oh, putain de merde. Nathan. J'avoue être un peu stressé par la... Par la situation, donc je fais très attention. Mais comment je vais pouvoir tourner là? Putain, par où? Par là? Oui, par là, par là, par là. Parce qu'en fait, il y a la moitié de la route, je sais pas pourquoi. D'accord, il faut les neutraliser sur leur route d'arrivée. D'accord. Enfin, je crois. Hop, on va les neutraliser en les prenant à contresens. Ça va être cool. Hop. D'accord. Comment on va pouvoir les shooter, je sais pas encore. Mais ça risque d'être bien marrant. Hop. Allez, laissez-moi passer. Moi, je suis un peu pressé, vous voyez, les amis, hein. Oh, on se met bien, mais... Oh, putain. Putain, je suis désolé, mec. Mais j'ai un convoi arrêté, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah oui, bah bien sûr. Allez. Wow. Vous êtes poursuivi. C'est bizarre que je me sente poursuivi. C'est bizarre, hein, en rentrant dans une voiture comme ça. Putain, merde. Mais je suis nul à la conduite dans ce jeu. Pourquoi ils me font passer par des endroits comme ça? Pourquoi? Non, 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 mais c'est dégueulasse parce que je sais que je le rattraperai jamais, quoi. Et ils vont me choper, mais... Ah bah oui, un arbre! Il y a tout qui est destructible à part un putain d'arbre! Allez, allez... Ah ouais, ok, il y a des gens qui passent comme ça sur la route en mode je glisse. Toi, mec. Ok, et maintenant on doit se barrer, non? Ah non, putain, il est pas encore mort. Il est pas mort, hein. Il court à pied, là. Regardez, 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 regardez. Regardez, il court à pied. Pauvre gars, quoi, c'est... Voilà. Éliminer les alliés, maintenant je dois leur échapper maintenant. Non mais parce que là ils m'ont mis low life. Mais vraiment low quoi, c'est... Ok, donc ça c'était bien. Bon, maintenant on va essayer de leur échapper. Ok. C'est un peu fail, hein. on va essayer de leur échapper là-dessus. Hop. Hop, c'est bien. Alors on n'est pas connecté ici, donc ça va être un peu relou. Je préfère partir dans l'autre sens. Alors là normalement ils peuvent pas me shooter, hein, dodo. C'est très bien. Oh, putain de merde. Mon but c'est vraiment de leur échapper pour pas me causer plus d'ennuis. Je veux pas les buter ou autre. C'est pas eux, ils ont rien fait, d'accord. Mais par contre, le mec avait fait un truc, mais on l'a écrasé, bordel de merde. Là, je vous avoue que... Écraser, c'était un petit mot, hein, à côté de ce qu'on a fait. On lui a roulé dessus. Hop. On va essayer de se mettre bien, et on va essayer de bien leur échapper. Ok, élimination de véhicule. Hop, on est tranquille. Alors moi ce que je voudrais c'était descendre s'il vous plaît. Voilà. On va descendre dans la ville, j'aurai un peu plus de facilité. Un peu de difficulté, mais sûrement beaucoup plus de facilité. Voilà. Parce que j'ai quand même 3 bagnoles au cul. Donc faut vraiment qu'on se mette bien pour se cacher là. Parce que ils vont nous le mettre dans l'arrière-train sinon. Hop. Voilà. Ok, on en est à 2. Pas de soucis. J'ai plus qu'une voiture derrière moi.
plus qu'une voiture si on pouvait la neutraliser ici par exemple. Hop. Ou ici. Hop. Ok, elle m'a perdu. Excuse-moi, petit civil. Oh, je suis désolé. Alors par contre, on va aller se planquer là. Vous voyez, hop, ici. Putain, merde, non, non. Non, attendez, c'est pas où? Elle est où leur planque de merde? Hop, ils savent pas où je suis. Ils savent pas, d'accord. Allez, refaites le tour. Hop. On va prendre un autre moyen, ils m'ont pas vu. Ah si, putain. Fallait qu'ils me voient au moment où je dis ça, quoi. Ok. Arrêtez, on l'aura la prochaine fois. Cool, poursuivant semé. Voilà. Le transfert n'aura pas lieu. Nickel. Eh bien, c'était bien cette mission, elle était propre. XP remporté plus 500 interventions de justicier. Eh oui, c'était propre. Franchement, je vous avoue être grave content. Ok, il y a eu un coup de téléphone, non? Non? Est-ce que t'as toujours des contacts en prison? Je leur ai déjà demandé s'ils pouvaient le faire glisser sous la douche. C'est des fumiers, mais pas à ce point-là. Je veux me faire arrêter. Bah bien sûr. Mais pourquoi tu ferais ça? Le témoin en question, c'est un pauvre type. Il était au mauvais endroit au mauvais moment, c'est tout. Il avait rien contre moi. Je veux pas le tuer. Juste lui faire comprendre que je peux l'atteindre n'importe quand, n'importe où. C'est vraiment trop pourri comme idée. Mais j'adore. Je vais trouver le plan de la prison, on se parle plus tard. T'as besoin de quelque chose? Mon téléphone. J'y crois pas. T'as un vrai problème. Tu deviens accro. Jordi, il me faut mon téléphone. Ils vont me le confisquer dès mon arrivée. Ouais, je sais, je te fais marcher. J'ai justement le type qu'il te faut. Il a une dette envers moi, tu l'auras ton téléphone. Ah ah. Eh bien, nous allons, dans le prochain épisode, nous infiltrer dans la prison de cette magnifique île. En tout cas, si cet épisode vous a plu, sachez que vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. J'espère que vous aurez pu en profiter en 1080p, 60 images secondes. Sachez qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures Watch Dogs. À très bientôt les amis, et à jeudi.